Saltimbanque Édition, c'est un nouveau-né, puisque les premiers livres de Saltimbanque Édition sont sortis en octobre 2017, donc ça fait à peine 6 mois. C'est d'abord une maison généraliste. C'est une maison qui va proposer à ses lecteurs des albums, des tout-cartons, des documentaires, des livres animés, des pop-up. Et c'était vraiment important pour moi de présenter Saltimbanque Édition comme une maison d'édition généraliste en 2018. Ça, c'est un point vraiment très important. Je souhaite proposer aux lecteurs des livres hybrides. C'est quoi un livre hybride? C'est un livre qui peut mélanger des genres littéraires différents. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans des carcans, soit un carcan de tranche d'âge, soit un carcan de positionnement de genre littéraire. Et aussi faire des albums parfois qui peuvent être des livres engagés, des albums qui peuvent partir d'un fait documentaire. Une maison aussi à forte valeur ajoutée de fabrication. Et ça, c'est très important. Je crois que les premiers livres qui sont sortis, les lecteurs l'ont bien vu. J'accorde une énorme importance à cette fabrication. Je travaille en direct avec les fabricants et avec les imprimeurs. Donc que ce soit des recherches de format, que ce soit des recherches de surfaçage. Le surfaçage, c'est la couverture. Que ce soit des réflexions sur la reliure. Est-ce que c'est un bord franc? Est-ce que ça soit des réflexions sur l'animation, sur les pop-up, sur les volets, et donc sur le choix du papier, aussi éminemment important, et la fabrication toujours au service d'un projet éditorial. Ce n'est pas de la fabrication pour la fabrication, c'est parce que quelle est la meilleure fabrication pour mettre en avant une idée d'auteur, une idée d'illustrateur et un projet éditorial. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier, et ces deux notions d'impertinence mais d'engagement, ça m'a toujours suivie dans ma volonté de publier. C'est important. Quand j'ai créé la Martinière Jeunesse en 1995, j'ai créé la collection Oxygène, et c'était une des premières fois où on pouvait parler de sujets de société qui étaient parfois un peu encombrants pour certains. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui m'importe, et j'ai envie de rassembler des auteurs autour de cette impertinence et autour de cet engagement. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup. Alors tous les livres ne sont pas des livres engagés, hein, mais il y aura une partie qui soit en documentaire, qui soit en album, qui soit dans cet engagement. Ensuite, une maison aussi ouverte sur l'international. Je pense que c'est important d'aller regarder ailleurs. Pour mieux publier, c'est important aussi de voir ce que font les autres, et c'est aussi important quand on choisit de publier un livre plutôt qu'un autre, de se dire est-ce que ce livre-là, il pourra voyager. Et c'est important, pour l'auteur et pour l'illustrateur de savoir que ce livre va voyager, mais c'est important aussi pour la maison d'édition, parce que c'est une maison d'édition qui est toute nouvelle, il faut qu'elle marche, et marcher, c'est marcher sur le marché français, mais aussi le marché à l'international. Donc voici Saltimbanque Édition, une petite maison d'édition avec beaucoup de saltimbanques autour de nous. Nous sommes deux chez Saltimbanque, une éditrice, Nadia Belladj, et moi-même. Mais on a plein de gens autour de nous. On a un directeur artistique qui adore travailler pour nous. On a une fabricante qui nous trouve toujours plein de solutions à notre problématique, et c'est toujours la même fabricante. On a un imprimeur, et c'est toujours le même imprimeur. Et c'est important au sein de cette équipe de créer une petite maison d'édition avec peu de titres par an, mais d'avoir une ligne directrice. Et même si cette ligne directrice, elle est très diverse, comme vous le voyez, hein, entre du tout carton, de l'illustration, du pop-up, de la découpe laser et du livre documentaire sous forme de dépliant. Voilà, on peut dire que ça va dans tous les sens. Mais non, il y a une direction, et cette direction est aussi une direction artistique, et je remercie la DA Valérie Gauthier qui nous accompagne formidablement sur ce travail.